peut me poser la question, mais qui comprend la vie du cœur que Dieu cherche, les véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la réponse qui m'est, je crois que m'a été formulée, c'est qu'il y a deux catégories d'adorateurs. Il y a des personnes qui adorent Dieu parce qu'elles ont reçu quelque chose de lui. Il y a des personnes qui adorent Dieu parce qu'ils réalisent que Dieu mérite d'être adoré. Et c'est cette deuxième catégorie de personnes dont il s'agit dans ce passage. Dieu cherche des véritables adorateurs. Des personnes qui ne l'adorent pas d'abord parce qu'ils ont reçu quelque chose de lui. S'il fallait à chaque fois l'adorer parce qu'on l'avait reçu, et les anges iront voir. Les anges qui passent leur temps à adorer Dieu, qui passent leur temps à offrir ce parfum à Dieu que Dieu a créé tellement. J'aimerais que tu sois cet adorateur, que tu sois en symbiosité avec les anges ce matin pour offrir ce culte à Dieu. J'aimerais qu'on prie encore d'abord. Vous savez, lorsque on est peut-être rempli par les soucis, on est rempli par les choses, il nous est difficile de dévoiler. J'aimerais que tu lèves ta voix, que tu dis, Seigneur, regarde ma vie, regarde mon cœur. J'aimerais, au-delà de tout ce que je vis, t'adorer. Au-delà de tout ce que je vis, t'offrir ce culte, parce que même si ça ne va pas encore, mais le simple fait de t'adorer, je crois fermement que les choses ont changé. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier pour ton cœur et pour peut-être cette situation qui te dérange, qui peut t'empêcher de pouvoir te sentir libre ce matin? Élève ta voix ce matin. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci, Père. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Alors je lève ma voix pour prier le Seigneur pour mon cœur. Mon cœur qui est rempli de soucis, qui m'empêche souvent de pouvoir véritablement t'adorer. Alors que ce que tu attends d'abord de moi, c'est de t'adorer sans raison. C'est de pouvoir t'adorer sans y penser derrière. C'est de pouvoir t'adorer parce que tu mérites l'adoration. Seigneur, je veux t'élever, Seigneur, ce matin. Au-delà de ce que je pense, je vais t'élever. Au-delà de ce que je vis, je vais t'élever. Au-delà de ce que je crois faire, je vais t'élever même au-delà de ce que je vois. Ah Jésus, je prie ce matin, Père Dieu, que tu me rendes disposé à le faire. Non pas pour une raison, mais parce que tu le mérites. Non pas à cause de quelque chose, mais parce que mon âme, mon esprit et mon corps reconnaissent que tu es digne d'être adoré. Alléluia. Nous élevons sa majesté. Nous te rendons la gloire. Nous élevons sa majesté. Nous te rendons la gloire. Nous élevons sa majesté. Nous te rendons la gloire. Est-ce que je peux chanter avec vous? Nous élevons sa majesté, nous te rendons. Ça commence à venir. Nous élevons sa majesté, nous te rendons là. Nous élevons le ressuscité d'entre les morts, nous te rendons là. Oh.
Alléluia, gloire à toi, Père.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Merci, Jésus. Merci pour ton atmosphère. Merci de me remplir de cette gloire. Gloire que soit rendue. Amen. Yes. Elia, 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 Elia. Thank you.
Oh,
Richesse, sagesse.